Voici maintenant comment c'est possible de représenter des fractions équivalentes dans Minecraft. Alors d'abord, j'ai une première construction ici qui est composée de trois blocs de diamant et d'un bloc de verre pour représenter la fraction 3 quarts. La suivante, 6 blocs de diamant, 2 blocs de verre pour représenter la fraction 6 huitièmes. 9 blocs de diamant, 3 blocs de verre pour représenter la fraction 9 douzièmes. Et ainsi de suite. Alors ici, on a la représentation de 12 seizièmes. Et finalement de 15 vingtièmes. Et si on va voir un aperçu de l'autre côté, on réalise que finalement toutes ces fractions sont équivalentes à la fraction 3 quarts. Alors voilà une façon de représenter des fractions équivalentes dans Minecraft et ainsi amener les élèves à comprendre ce concept.